Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui concerne la vigueur sexuelle ou la puissance sexuelle. Vous savez bien que sur ma chaîne, j'ai l'habitude d'aborder tout ce qui est relatif à la grossesse, tous les sujets qui tournent autour de la grossesse. Si vous êtes intéressé, sachez que ma chaîne les aborde de temps en temps. Je vais vous parler de la vigueur sexuelle, notamment de ces substances naturelles qui peuvent booster votre sexualité. La plupart des substances régénératrices sont aphrodisiaques et augmentent selon la médecine ayurvédique les fluides sexuels. Ces fluides sexuels masculins et féminins ont pour rôle d'accroître la production ainsi que la reproduction. Donc, ce qui vous concerne lorsque vous êtes dans le besoin d'avoir un enfant ou d'augmenter votre vigueur sexuelle, c'est de repérer ces substances régénératrices et de les consommer aussi souvent que vous pouvez. Je vais vous donner aujourd'hui 5 substances régénératrices dites aphrodisiaques. En général, et c'est logique, sachez que lorsque le fluide sexuel augmente, cela va accroître votre désir de faire l'amour et provoquer des besoins de plaisir sexuel. Alors, le premier élément aphrodisiaque, c'est l'oignon. Tout le monde connaît l'oignon. L'oignon augmenterait votre fluide sexuel. En effet, l'oignon contient de l'allicine qui est une substance qui favorise la circulation du sang et stimule le désir. Du fait de son rôle vasodilatateur et tonifiant, l'oignon permet une bonne érection. Le deuxième élément aphrodisiaque, c'est le miel. Délicieux. Ce super produit, non seulement savoureux, mais aussi peu coûteux, a un merveilleux stimulant sexuel. Ce nectar jaune que l'on trouve dans presque tous les pays du monde est une alternative naturelle efficace pour les hommes qui souffrent de troubles de l'érection. Par ailleurs, je précise ici, ne mettez pas le miel dans de l'eau bouillante, parce que le miel incorporé dans l'eau bouillante devient toxique. Par conséquent, lorsque vous décidez de consommer le miel, mettez-le dans une eau à température supportable par votre palais. Comme ça, vous allez conserver les vertus du miel. Le troisième élément aphrodisiaque, c'est le ghee. T'es onctueux. T'as du gras, quoi. T'es onctueux. En tartine, c'est très agréable. Ça. Ce beurre clarifié, très agréable pour incorporer dans vos plats et vos fritures, permet une augmentation de la vigueur sexuelle. Ce pouvoir aphrodisiaque s'explique par le fait que le ghee, il a un pouvoir nourrissant sur les tissus de l'organisme et donc par conséquent sur les tissus des organes reproducteurs. Le consommer le matin à jeun, environ 2 cuillères à café, cela va vous permettre d'accroître votre vigueur sexuelle. Cela vaut aussi pour les femmes, hein? Ça a aussi un effet sur les organes reproducteurs féminins. Parce que comme j'ai dit tantôt, le ghee, il nourrit tous les tissus de l'organisme. Et donc, par conséquent, il nourrit aussi les tissus des organes reproducteurs, masculins comme féminins. Et d'ailleurs, vous pouvez faire vous-même votre ghee. La plupart du temps, nous, à la maison, nous faisons notre ghee nous-mêmes. Il vous suffit en fait d'acheter du beurre, de le laisser cuire à feu doux environ 1 heure de temps. Après quoi, vous avez à retirer en fait tous les résidus, les dépôts sales qui vont se poser sur ce beurre-là, laisser refroidir et c'est prêt. C'est tout simple de faire son ghee soi-même. Maintenant, quand tu es pressé et que tu veux du ghee,
tout près là, voilà, le lit que je vous ai montré, je l'ai acheté en magasin et je pense que voilà, ça coûte pas cher quoi. Pour un pot comme ça, c'est autour de 5 €. Donc c'est relativement accessible. Et le dernier élément qui permet d'augmenter la vigueur sexuelle, c'est le mercure. C'est ce pigment de teinte rouge. Je vais essayer de vous afficher la photo là. Ce pigment qui est difficile à acheter en magasin, contrairement aux autres produits que je vous ai montrés, est reconnu depuis des millénaires par les Indiens comme ayant un pouvoir aphrodisiaque et rajeunissant. Donc, pour ceux et celles qui sont capables de s'acheter du mercure, achetez-le et consommez cette poudre. Ça va booster votre vigueur sexuelle. Le gingembre, c'est ce cinquième élément aphrodisiaque qui est d'ailleurs connu et reconnu dans plusieurs cultures comme ayant ce pouvoir aphrodisiaque. Et je vous ai montré en début de vidéo comment je préparais cette substance régénératrice pour ma part. Comment je consomme par exemple le gingembre régulièrement. Ces éléments que je viens de vous citer, l'oignon, le miel, le gui, ainsi que le sulfure, vous aident à produire plus rapidement ce fluide sexuel et donc à accroître votre vague d'énergie. Il y a beaucoup dont le problème sexuel est lié au fait qu'ils manquent d'énergie, ils sont fatigués, blasés. Donc, le fait de consommer ces produits-là, ça va vous donner une bonne vague d'énergie et principalement, vous aider à accroître ce fluide. Je crois qu'il est nécessaire que je précise, il ne faut pas confondre vigueur sexuelle et plaisir. C'est deux choses différentes. En effet, la vigueur sexuelle augmente uniquement ce fluide, sans pour autant améliorer votre plaisir sexuel. Pour finir, je vous laisse avec cette phrase véridique de l'écrivain indien Charaka qui disait que le champion de la vigueur sexuelle, c'est un partenaire qui vous aime. Je crois que tout est dit, hein? Le meilleur allié pour votre vigueur sexuelle, c'est donc votre partenaire sexuel. Votre femme, votre mari, copine, copain, tout ce que vous voulez. Donc, à bon entendeur. Salut! Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Prenez soin de vous. Bisous!